Je vais vivre 24 heures comme dans Animal Crossing. C'est parti! Je vais avoir 24 heures pour réaliser le maximum de quêtes comme dans le jeu vidéo. Ça va être plus ou moins laborieux. Alors n'ayez crainte, installez-vous confortablement, pensez à liker et à vous abonner, et c'est parti! Wow, wow, wow! Aujourd'hui, j'ai pour objectif de vivre 24 heures comme dans Animal Crossing. C'est parti! Sachez bien une chose, les réveils à 5h du matin comme dans Animal Crossing ne m'ont absolument pas du tout manqué, bien au contraire! Comment dans Animal Crossing, mon personnage il a beau se réveiller à 5h du matin, soit extrêmement tôt, il est absolument tout pimpant, tout réveillé, alors que moi j'ai pas eu toute cette tête. Mais bon, on va quand même s'habiller, histoire de... Tadam! Donc on est déjà habillé, maintenant je propose qu'on fasse autre chose de très différent. Et revenons juste à la partie Animal Crossing, t'as juste besoin de faire un petit salto et hop, ton personnage change de tenue. C'est quoi ça? Bon, on a beau être dans une vidéo Animal Crossing, on n'oublie pas le calendrier l'avant et le petit chocolat du matin qui fait plaisir. En plus de cela, j'avais déjà deux de mes habitants qui commençaient à se bagarrer comme on peut voir. Oh là là, c'était absolument n'importe quoi. Et on n'oublie pas une chose, on a beau être comme dans Animal Crossing, on n'oublie pas les luminaires. Parce que dans le jeu c'était incroyable et dans la vraie vie c'est tout aussi incroyable. Regardez-moi ce petit décor tout illuminé, je trouve que le résultat est juste splendide et on a exactement à peu près les mêmes luminaires et en plus de ça j'ai le même sapin que dans le jeu, donc ça c'est vraiment stylé. Sachez-le ou non, mais dans Animal Crossing il y a énormément de mimiques, surtout pour bien se réveiller le matin, donc on va faire les mimiques de l'aérobic. J'ai vraiment peur. Let's go! Ok les gars, donc je me suis munie de ma Nintendo Switch pour pouvoir reproduire les mimiques d'Animal Crossing et j'ai extrêmement peur puisque je vais avoir l'air débile. En premier, je propose gymnastique, qui a l'air pas mal. Yoga, qui est aussi pas mal, j'aime bien. Ok, le petit oula, j'ai l'air ridicule. Bon, je propose qu'on ne s'arrête pas là. Let's go! Est-ce que vous saviez que dans Animal Crossing, il y avait plein de fruits, plein de légumes, etc. Surtout que dans les précédents Animal Crossing, on avait la mangue, etc. Bref, des fruits qu'on n'a pas dans New Horizons. Mais ça ne s'arrête pas quand même là. On va aller plus loin. Je propose pour ça qu'on aille cueillir les fruits. Enfin, plutôt qu'on aille les montrer parce que j'ai un peu la flemme. En tant que Shine Cherise professionnelle... Je n'ai pas de cerise. Désolée, mais j'ai les fruits d'Animal Crossing. En l'occurrence, on a une pomme, comme dans Animal Crossing. Et ça, je trouve que c'est pas mal. On a une poire, comme dans Animal Crossing. Et du citron. Bon, lui est un peu périmé, mais on va rien dire. J'ai même des fruits de la passion. Ça, il y en a pas dans Animal Crossing, mais qu'est-ce que c'est bon. Et le meilleur qu'il y avait dans Animal Crossing New Leaf, c'est... Tadam! La mangue! C'est trop bon, c'est le meilleur fruit qui existe sur Terre, j'adore. J'ai même les tomates de New Horizons. Bon, là elles sont toutes petites et ça ne se vend pas très cher je pense, mais quand même. Et avec tout ça, vous savez ce qu'on fait dans le jeu? On peut faire de la cuisine et dans le jeu il y a des salades de fruits. Donc, automatiquement, j'ai de la salade de fruits. Tadam! Regardez ce qu'on a ici les gars. Fraises, framboises, myrtilles. Non, je déconne. On a de l'orange, de la pomme, bon le kiwi ça compte pas. Et on a aussi surtout de la mangue. Et ça, c'est comme dans Animal Crossing. Je trouve qu'il y a quand même de l'effort de fait. Donc ça, je pense, dites-moi en commentaire si ça a pas l'air succulent, une bonne salade de fruits, surtout en hiver. Quand tu as froid, besoin de vitamines, salade de fruits comme dans Animal Crossing. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de beau comme dans Animal Crossing? Laissez-moi réfléchir. J'ai une trop bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai 3 habitants. Bon, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait pareil. Dans Animal Crossing, on a Raymond. Mais quand je parle de Raymond, c'est Raymond. Je l'ai dans la vraie vie, c'est pas trop mignon. Et en plus ça ne t'arrête pas là parce que j'ai plein d'autres habitants dans la vraie vie. On a du Robustoid, on a du Alex, on a du Ren, on a même un autre Géroïde et on a du Céleste. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses d'Animal Crossing dans la vraie vie et je déconne pas. Les habitants, les amiibo, les cartes, les tote bags, les pins, les boucles d'oreilles, le logo bien sûr, les porte-clés, les mugs. Je crois que je suis un petit peu fan d'Animal Crossing. Tout petit peu. Dans Animal Crossing, comme vous savez, il y a des habitants, on va pas se cacher, on le sait. Chacun possède un caractère spécifique par rapport à l'habitant qu'il est. Et moi, à la maison, j'ai 3 habitants actuellement. Bon, il y en a que 2 qui sont à moi. Un qui s'est incrusté et maintenant je propose que je vous les présente. En premier, nous avons Minou. Ah mon Minou! Celui-ci, on dirait plutôt qu'il est versatile, il est un peu discret et tout ça, on va pas se mentir. Ou même sportif, je pense qu'il correspondrait bien à sportif. Maintenant, je vous présente les autres. Alors pour les autres, nous avons Gandhi. Gandhi, je pense que vous le connaissez, c'est la base. Je pense que vous le connaissez surtout grâce à ce gros mème. Bonsoir, je suis le chat de Shine. Si vous voulez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir.
Bisous. Tout pour même. Bonsoir, je suis le chat de Charline, si vous... Enfin, bref. En plus, likez cette vidéo, ça ferait plaisir. Gandhi, je pense qu'on peut plutôt dire qu'il est paresseux, hein, mon gangan. Il a 13 ans, pour ceux qui l'ont connu au tout début, ouais. Et maintenant, nous avons un nouveau qui s'appelle Maurice. Alors non, ce n'est pas le dodo que vous connaissez. C'est le chat des voisins qui s'est juste incrusté chez moi. Maurice, dites-moi en commentaire quel caractère et quel type d'habitant ça serait plutôt. Il est tout jeune, il a à peine 6 mois, comme vous pouvez voir, il est déjà super grand. Et donnez-moi son petit caractère, son petit type en commentaire. Je pense qu'il serait plutôt vif parce qu'il bouge extrêmement beaucoup. Voilà, maintenant vous avez mes 3 habitants d'Animal Crossing et les conversations avec ne sont pas non plus fabuleuses, on va pas se mentir. Ouais, super, on va pas aller bien loin avec eux, tant pis. Et dans Animal Crossing, ma passion pour Noël, ce sont les décos de Noël. Donc je propose qu'on les installe ensemble. Parce qu'honnêtement, il y en a pas mal. Bon, c'est parti. Ok, alors là franchement, je crois qu'il y en a plutôt pas mal. Oh mon dieu, elle est super longue celle-ci. Est-ce que c'est pour toi, Gandhi? Non, Maurice. Arrête de dormir. Eh ben, on est pas mal. Je crois que le mieux reste tout de même ce sapin d'Animal Crossing, version dans la vraie vie. Voilà ce que ça donne. Pour tous ceux qui veulent l'envers du décor, voilà comment je l'ai fait avec ma maman sur ma chaîne de lifestyle. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner en description. Mais comme il faut après, non, je connais pas ça comme le tout. Bon, je crois que mes cheveux, ça va pas du tout. Et je propose qu'on réalise une coupe d'Animal Crossing. Parce que là, j'ai juste mes cheveux tout basiques, tout simples, comme, enfin, voilà, mes cheveux. Et dans Animal Crossing, il y a plein de coupes différentes. Il y a des coupes un peu cheloues, en mode Schistostega, comme ça, que j'arrive pas du tout à faire. Et je ressemblerai à la meuf, là, dans Star Wars. J'ai pas envie de ressembler à ça, donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais bon, heureusement qu'on a Animal Crossing et ma petite Switch pour pouvoir tout simplement terminer. Alors, alors... En termes de coupe, je trouve qu'il y a celle avec les deux petites couettes qui est trop mignonne. Bon, ça fait un peu effet bouboule à chaque fois, mais moi, on va faire deux petites couettes comme ça. On ressemblera bien comme dans Animal Crossing, parce que c'est le concept de la vidéo, si vous n'aviez pas compris. Mais bon, je pense qu'à force, là, faut arrêter. C'est parti. Miroir, mon beau miroir, faites que j'y arrive, puisque je sens que je vais ressembler à rien. Aïe, aïe. Eh, mais c'est trop mimi, ça me va bien, en fait. Et bah sincèrement, je trouve que c'est trop mignon, ça me va trop bien. J'adore. Oh my god les gars, regardez-moi à quel point je ressemble comme dans Animal Crossing, avec les mêmes petites couettes au même endroit, avec... Oh, je trouve ça trop mignon, ça fait les mêmes petites boules que la coiffure, donc honnêtement, dites-moi en commentaire si ça ressemble, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je crois que mon meilleur achat pour ressembler dans Animal Crossing, c'est tout simplement ma chaise bureau gaming, qui est exactement la même que la chaise gaming d'Animal Crossing. Là, il n'y a pas de débat, aucun. On change la petite chaise. Tadam, c'est la même chaise gaming que dans Animal Crossing. Je suis désolée les gars, c'est exactement tout pareil. Franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour la ressemblance avec Animal Crossing. Mais si vous êtes sur cette vidéo, on est obligé de faire un truc obligatoire qu'il y avait dans la mise à jour 2.0. J'ai nommé l'aérobic. Donc je propose qu'on fasse tout de suite de l'aérobic. Je n'aime pas faire ça dès le matin. C'est beaucoup trop tôt pour qu'on fasse de l'aérobic. Je prépare le setup et c'est parti. Bonjour, ici Shine Cherries, version on va faire de l'aérobic. Donc je suis dans mon setup de d'habitude, on va pousser la chaise avant que je fasse des catastrophes. Allons sur Animal Crossing, dis donc, ça fait très longtemps. C'est faux, c'est faux. Eh mais regardez-moi cette petite coupe, comme ça me va trop bien. Ok, ok, je propose maintenant qu'on aille faire de l'aérobic. Donc on va aller du côté de Serenity. Et oui, mon île est en mode Noël, j'adore le résultat. Vous avez bientôt le code de Niri qui sera à jour, donc attendez, patientez un petit peu. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une grosse surprise qui se prépare. Regardez-moi même ce magnifique drapeau d'île que j'adore. Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien ça, dis donc. Gandhi, Minou. On va faire de l'aérobic. Let's go. J'ai peur. On se mini des 2 manettes de Joy-Con pour commencer. Ok, alors au niveau des habitants, on en a quand même pas mal. On a Robusto, on a le petit castor, on a Chef, on a Rena, on a Amiral, on a Miglou et on a Cousette, je crois. Allez, on y go. Et on lève les bras. Allez.
Allez, 1, 2 et 3. On lève les bras, 1, 2, 3. On lève les bras, 1, 2, 3. Oula, oula, c'est quoi ça? À l'aide! On parle, mais Robusto, il est aussi à la traîne, hein, faut pas déconner. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh mon dieu, c'est trop dur! Et on dab. Ça n'a aucun sens. Oulala. Mon dieu, c'est quoi ça? C'était horrible. Il est actuellement très tôt ce matin, vu que j'ai dû me lever tôt pour cette vidéo, parce que dans Animal Crossing, les journées commencent à 5h du matin. 5h. Mais je me suis dit que dans Animal Crossing, une activité que j'adore faire, c'est tout simplement regarder la télé. Donc on va essayer de regarder la télé. Dans la vraie vie, sachant qu'il n'y a absolument rien, puisque au moment où je filme cette vidéo, nous sommes mardi et vous avez cours. Moi, je n'ai pas cours, vu que c'est mon métier. Non, mais vraiment, mon métier, c'est regarder la télé en vidéo, bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé? Intéressant parce que les trucs de téléachat, télécrochet, on nous souffle ta main, on en a marre. Mais allume-toi la télé, c'est une blague. Ah, la télé s'allume! Nul. Oh non, ça c'est nul. Oh non, dirait Tom Nook qui me vend un meuble. Pas ça, non! Et voilà. Petit problème dans la vie. Je pense que vous le savez, mais dans le jeu, à partir du 15 décembre, il y a de la neige dehors. Or, moi, je n'ai pas de neige actuellement. En témoigne cette pelouse. Cependant, à la montagne, il y a de la neige. Là aussi, il y a de la neige. C'est trop beau. Mais bon, si on n'a pas de neige ici, c'est pas bien grave, puisque l'autre jour, je suis allée en voiture et il y avait de la neige. Voici l'extrait. Donc en soi, il y a eu un petit peu de neige. Donc je suis dans Animal Crossing. Non mais vraiment... Dans Animal Crossing, pour ranger une pièce, t'as juste à faire ça. Là, ça c'est plutôt rapide à faire. Non, je rigole, c'est beaucoup plus compliqué, donc on va le faire en vidéo. Bon, j'ai enfin rangé ma chambre. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. On n'est pas dans Animal Crossing. Ok les gars, maintenant je propose qu'on fasse comme dans Animal Crossing, on peut crafter de la nourriture. Et là j'ai une idée avec la salade de fruits. J'ai du lait, j'ai un mixeur, devinez ce qu'on va faire. On va faire un milkshake. Parce que dans Animal Crossing, ça c'est un milkshake. Et je me dis, en vrai de vrai, on peut faire de la cuisine. Il est 10h du matin, est-ce 1h pour faire un milkshake? Oui, pourquoi pas. Donc pour ceci, vous aurez besoin de fruits, de lait et d'un mixeur. Comme ça, on a tous les ingrédients pour faire un milkshake. Hop, hop. Ok, on prend ça. Je sais jamais si le lait avant ou pas, ou après, je ne sais pas. Donc pour ceci, on va prendre des petits fruits. Du lait. Je me permets de prendre le petit mixeur au lieu de prendre le gros parce que j'ai pas envie d'en faire beaucoup. Êtes-vous prêts pour mixer? Ça va faire peur aux chats, les pauvres. Ils vont pas aimer. Ok. Normalement, on est bon et on va pouvoir secouer. 3, 2, 1. Est-ce que ça va être cool à boire? Je sais pas. Et en vrai, ça a l'air, hein. Je vais rajouter un peu d'eau. Bah honnêtement, ouais. Waouh. Oh. Bah écoutez, ça a l'air succulent, ouais. Pouf. Oh là là. Et avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous remercier après cette semaine de vlogmas de Noël, c'est-à-dire pendant une semaine vous avez eu une vidéo par jour sur Animal Crossing. Je me suis dit que pour Noël, j'allais vous offrir le online à une personne d'entre vous. Donc pour ceci, c'est extrêmement simple. Vous commentez le mot « je suis abonné » en commentaire et bien sûr, faut être abonné, liker la vidéo, bref, t'as compris. Et parmi toutes ces personnes, j'en tirerai une au sort que je contacterai donc en privé. Faudra que juste que vous ayez un réseau social, ça peut être Snapchat, Instagram, bref, on s'en fiche, que je puisse vous payer le online. Donc voilà, je vous prendrai le online pour un an pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc si vous n'avez pas l'online et que vous le voulez, bah commentez, je suis abonné en description. Il faut juste être abonné à la chaîne et avoir liké la vidéo. Et j'ai un petit tirage au sort pour vous et vous faire un petit cadeau à ma manière. Merci d'être là, merci d'être bientôt des 100 000 abonnés, c'est incroyable. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.